fingers me horn, diddy hoong, diddy-sidoo. Bienvenue dans l'après-midi des jeux pourris dans The Big Gamoski. Tous ces jeux qu'on a dans un coin et qu'on n'a jamais osé lancer parce qu'on se doutait bien que c'était des chefs-d'œuvre. Et on va enchaîner avec Double. Double, qui est donc un jeu de... Père. Un jeu père. Putain, pourquoi j'ai dit oui? Il se lance pas, c'est la bonne nouvelle. Je vous ai dit, hein, c'est dangereux de chroniquer des jeux un petit peu difficiles, on va dire. Choisissez votre langage pendant ce temps, hein. Je fais une interro après. English, Chinese, Portuguese, Spanish? Non. Non, ça c'est non, direct. Est-ce qu'on regarde les options? On a pas besoin, hein. On est des oufs. Y'a tes contrôles, on sait jamais. Bah non. Ça c'est de la bonne résolution, mon gars. On y va. Double. Qui es-tu? Où est-ce qu'on va? Rappelle-toi ce que tu vois et entends de ça dépend le développement de l'histoire. Bien. Bien. Alors là, me demandez rien. J'ai pas plus compris que vous. Pour l'instant, je regarde ce merveilleux bouton loading qui est derrière le logo The Big Game Oski. Voilà, du calme. Je présume que je peux bouger, ouais. Alors on tire et on clique avec le sur les objets avec le même bouton. Oh caramba! Et en plus il tire comme une baleine les mecs.
Ouais, je shoot tout le monde. Sacré après-midi, les amis. Quoi? Je crois que le jeu vient de nous quitter, sinon c'est bon. Vas-y, passe-y, toi. Ah, putain de clavier de merde. Ok, super, allez. Hey, caramba, je veux m'avouer, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis bien moron. Hey, cabrotte. Oh putain. C'était donc l'après-midi des jeux moisis avec Monsieur K. Et je vous garantis que niveau moisi, c'est sûr. Là, je crois que je tombe. Que passo? Si. Pourquoi je parle espagnol? Ça fait plus ambiance avec la guitare sèche, c'est pas mal. Ouais, non, mais moi je suis un mec cool. Allez, on y va. On peut courir, comme ça on arrive plus vite. Oui, bah je. Blablabla. Salut! Salut! Poule! Aïe, 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 aïe. Double, un jeu qui vous rendra pas votre argent. Oh putain! Tasse, chien, lampe. Ça va, je suis encore normal. Singe. Allez, vous pouvez y aller, cassez-vous les nazes. Je suis dans un jeu là, je suis en train de perdre du temps de ma vie précieux que je pourrais regretter très très vieux sur mon lit de mort. Je serais là, je fais. Putain, tu vois, c'est 3 minutes. C'est 3 minutes, je vais les avoir foutus dans ce jeu. Ça fait là. Putain, mais merde, quoi. Ah, ça fait plus longtemps que ça en plus, là. Oh, jeu, tu me dois au moins 5 minutes. 5 minutes de vie. Il suce ma vie. Je lis même pas, je m'en fous. Ferme ta gueule. Tu sais pourquoi on est inattentif? Parce que ton jeu il est super pas intéressant. On reconnaît Jean-Michel Bruitage pour l'horloge. Une aide précieuse dans tous les développements hardcore. Cours, feignasse. Oui, il y a un problème avec quoi? La 15? J'arrive. Attends-moi, Roger. Si, il y a toi. Mais il joue pas espagnol. Pourquoi il est pas là avec Gunassin, lol? Il sait pas. Pour donner du piquant à l'émission? Si! Ah, velu ses affaires. Ça, tu peux le planter dans la trachée artère et le saigner comme un gruic. Non, pas ce chien. T'as pas envie de faire grand chose, man, hein? Allez, allez, un petit effort pour Bibi. Bois un coup. Je sais pas. Fais. J'ai une idée de ce que tu pourrais te faire, mais. T'y arriveras pas tout seul. Oh putain, ce jeu, merde! Je pense que c'est ça que les gens doivent voir quand ils sont dans le coma. Des jeux comme ça. C'est obligé, quoi! J'étais en train d'en parler justement. Je disais que
Quand on est dans le coma, on doit sûrement rêver comme ça, quoi. Des trucs qui sont chiants, longs, vraiment pas très utiles, quoi, et qui donnent qu'une envie, c'est d'être mort. Oui, je rajoute des bruitages parce que ouais, on s'emmerde, c'est le mot. Vous savez quoi les amis? Oui. Vous le sentez? Mon petit doigt qui est en train de remonter le long du clavier à gauche. Oui, il remonte inexorablement. Il se faufile comme ça sur le dessus des touches glisses sans même les enfoncer. Bon appétit toi-même. Et se dirige inexorablement vers celle qui est marquée ESC pour échappons-nous subitement de ce con de programme. Ou escape. Non, je vais dans le sens. Vous comprenez pourquoi je supporte pas les visuels novels? Si, ouais, bah, voilà. Vu le niveau d'interactivité qu'il y a dedans, c'est uniquement pour vérifier que le mec s'est pas endormi tellement c'était chiant, quoi. Oh! Je l'ai dit, enfin, ça y est, c'est sorti. Le fin fond de ma pensée sur les visuels novels. Je l'ai révélé à tout le monde. Mais c'est ça, quoi. On vous glisse trois trucs à cliquer pour vous maintenir en vie, mais c'est mortellement chiant, quoi. Eh ben, je fais rien. Eh ben, je fais rien. Je suis trop mal, hein. J'ai caché la pilule. Elle fait quand même effet dans ma bouche. C'est une mauvaise planque. Je veux rentrer dans les cages. Pas, ce jeu. Donc voilà, je vais vite désinstaller ça. Hein. J'ai bien vu qu'il n'y avait rien à en tirer. On va lire l'homme et la mer. Et les dauphins. Et les anémones. Et les algues. Et les. Pff, non, tu dormiras pas, tu vas d'abord lire, je te le dis, moi. Bon, j'ai déverrouillé un succès, je suis pas venu pour rien. Putain. Je vais me faire un chemin derrière, mais je le stream pas, les amis, je suis désolé. Cette affliction. Je veux sortir ce truc, me conf. Donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est très très dur d'avoir une chaîne relativement crédible où on s'engage à tester tout et parler d'un maximum de choses, mais pas de ça. Non. Non, putain. Non, c'est bon. Ah. Il n'y a même pas un kit direct. Pourtant, je connais peu de gens qui reviennent sur le menu principal pour relancer une partie. Soyons un peu raisonnables. Allez, ciao. Oh, ya, ya. Oh, yo, yo. Oh, yo, 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 yo.
Yeebers me ho, diddy hoong a diddy doo. Yeebers queer hoong, gear skirt, and bork, bork, bork.